Salut tout le monde, salut, ravi de vous retrouver. Nouvelle vidéo hein, sur YouTube, sur Farming Simulator. Donc là, on est dans l'entreprise Fendt. Bienvenue chez l'entreprise Fendt. Alors, j'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes, hein, toutes les vues. Il y a eu plus de 600 vues sur la dernière vidéo hein, que j'ai fait. Je pensais pas qu'il y aurait autant de vues. Hein. Franchement, pour un retour, ça fait vraiment plaisir. Il y a aussi des pouces. Ça fait plaisir. Mettez des messages hein, pour ceux qui veulent mettre des messages. Alors, il y en a qui m'ont parlé. Alors, attendez, on va changer déjà. Parce que bon, on est au mois de novembre. Et j'ai l'impression qu'il fait froid un peu quand même. Hein. Il fait froid un peu. Donc, on va quand même mettre un petit pull. Alors, on va mettre un pull, on va fermer la porte quand même, parce que ça caille. Hop, on va mettre un petit pull. Petit pull, pas petit pull. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a pas mal de personnes hein, qui m'ont demandé si vous voulez, si vous pouvez rejoindre tout simplement, la partie. Il n'y a aucun problème, voilà, il n'y a aucun problème hein, pour ceux qui veulent venir rejoindre la partie. Il n'y a aucun problème. Je vais même me mettre un petit bonnet tranquille. On va se mettre un petit bonnet. Donc voilà, alors, naturellement, il y a énormément de modes, hein, vu qu'il y a énormément de travail. Alors, c'est pareil, hein, on va fermer la porte là. La ferme là, je vais vous montrer hein, la ferme en survol. C'est pas, j'ai pas fermé. Voilà, je vais vous montrer. Ah, je me suis tapé le vélo. Donc, je vais vous montrer le survol de la ferme. Celle-ci aussi hein, sera modifiée tout simplement quand il y aura la délibarne. Hein, quand il y aura la délibarne. Alors, le corps de ferme, tout ça, ça ne changera pas. Hein, ça ne changera pas. Mais il y aura quand même une grosse partie qui changera tout simplement, donc ça ne bougera pas. La stabulation là par contre bougera ici, donc il y aura deux autres bâtiments et puis donc ça c'est les cochons. Non, ça c'est un grand hangar hein, ici. Hop. Voilà, c'est un très très grand hangar. Et là on a ici on a les cochons, donc après la Daily Barn, je pense que elle viendra se mettre ici hein, juste ici comme ça. Le long ici, je pense qu'elle viendra ici. Donc voilà. Donc il y a pas mal de choses à faire. Pas mal de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de travail. Donc voilà. Allez, sur ce, nous, ben, on va attaquer. Hein. On a pas mal de travail à faire. On va déjà aller. On va déjà prendre le vélo, tranquille. Hop. Et ouais. Hein. Il y a des marches arrière hein, sur les vélos. N'oubliez pas de vous abonner, hein, ça fait plaisir, de mettre des pouces, des commentaires. Mettez des commentaires et les poupoules. Ah, attendez, bon. On va regarder les poupoules, voir s'ils ont à bouffer. Donc là, on a quand même un petit peu d'eux, c'était pas mal. Il reste encore de la nourriture, donc c'est bon, tranquille. Là, les cuvaliers sont là. Pour aller aller mettre du lisier, mais ce qu'on va faire déjà, alors entendez, hein, hop, on va se mettre là. Elle sa gueule, hein, elle est plus là. Alors, il faut savoir que mardi, il y aura le DLC Orch sur toute plateforme. Alors, ouais, déjà, ce qu'on va faire, on va ranger ces caisses là. Alors, le DLC Orch arrive mardi. Alors, oui, c'est chiant, je sais, il y en a qui m'ont déjà dit ouais, comment ça se fait que c'est payant, c'est dégueulasse. Sur le 19, il était gratuit, et là, il faut le payer. Ouais, c'est Giant, hein, qu'est-ce qu'ils vous disent. C'est dégueulasse, c'est sûr que c'est dégueulasse. C'est sûr que si c'est vraiment. Dégage la poule! Hop! J'ai failli l'écraser!
C'est sûr que c'est vraiment dégueulasse. Alors tu vois, rassure-toi un petit peu, petit, tranquille. C'est vrai que c'est dégueulasse hein, de faire payer, 9 euros hein, le DLC. C'est quand même dégueulasse. Mais bon, après. Après, ça les vaut. Franchement, ça vaut le détour. Hein. Franchement. Voilà. Voilà. Franchement, ça vaut vraiment le détour ce DLC. Donc. N'hésitez pas à le prendre hein, parce qu'il vaut vraiment le coup. Hein, le DLC là il vaut vraiment le coup. Je suis en train de regarder, mais. Alors, il y a des bâtiments pour. Mais je crois que je me suis planté. J'ai pas pris les bâtiments pour Palette. Je pense pas. Hein. Pour les trucs, ça c'est pour les trucs, alors je sais pas si c'est pour les palettes ça. Stockage de balles des palettes. Ah si c'est des palettes. Donc on peut mettre des palettes dedans. Bon on va tester hein. On va tester si on peut mettre des palettes. Là on peut mettre 250 palettes. Hein. 250 palettes, déjà c'est déjà pas mal. Hein. 250 palettes, ça fait. Il faut les mettre hein. Il faut les mettre. Donc ça je vais pas mettre ça ici parce que tout le monde ça. Oh, quoi que, il faut les mettre là. Hein. Je crois que je peux mettre ça. Je peux mettre ça ici. Alors attendez voir. On va faire ça propre. Pas comme des mou. Voilà, hop. Ça va être très calme. Voilà. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Hein. Franchement. Le DLC, franchement, il est vraiment exceptionnel. Alors, il y a un truc hein, qui ne sera pas, c'est le gros pulvérisateur. Hein. On se rappelle dans le. Ça prend ? Ah bah c'est bon, bah ça prend. Bah c'est nickel, impeccable. Ah, attendez voir, je regarde un peu, c'est quoi que j'ai pris ? Ah non, on peut pas regarder. Attends, regardez comme ça. Ça c'est de. Ah c'est de la semence. Okay, d'accord. Le gros pulvérisateur hein, qu'on avait dans bah de toute façon après je peux mélanger, c'est pas trop grave, c'est pas un problème. Le gros pulvérisateur qu'on avait dans le 19, il ne sera pas dedans. Donc, on aura du pulvér dedans, mais ça sera traqué. Donc on va faire ça, on va aller mettre du lisier. Hop là, ce qui est bien, ça prend directement, ça c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment top ces bâtiments là. Parce que là, on peut vraiment faire un très gros stockage. Et ça fait vraiment plaisir. En tout cas pour les joueurs console. Donc on aura ça. Ce qui est bien aussi, c'est que la map hein, polonaise qui sort en novembre, la map polonaise hein, qui sort au mois de novembre, celle-ci elle est vraiment très très belle. Alors, mardi il y aura une map aussi. Donc il y aura une map aussi, hein, mais c'est pas vraiment une map, hein, c'est plutôt une carte. Alors apparemment hein, ça serait une carte réelle à côté de Orch. Hein. Je crois que c'est mon règne, hein, Orch. Il y a bien une carte dedans. Et la carte, tout simplement, c'est pour. La carte, c'est. En fait, c'est des champs, des très très grands champs.
C'est pour les tests, hein, il n'y a pas beaucoup de champs, mais c'est pour tester le matériel. C'est un peu comme Vaderstadt, c'est pour tester le matériel. Voilà. Tester le matériel. Donc là, on est où? Qu'est-ce qu'on a là? Ben, c'est bon, nickel. On a de la semence à faire. On a de la semence à faire, donc ouais, j'aurais pu prendre une vidéo, mais c'est pas grave. On a de la semence à faire, donc on va aller faire ça. On va ouvrir le portail. Là, les palettes là, bon, je vais les mettre sur les silos. Voilà. Impeccable. On a de la semence à faire. Impeccable, impeccable, impeccable. Hop, on va faire ça tranquille. En tout cas, ben, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche matin, hein, vous aurez la vidéo. Vous aurez la vidéo du lundi. Hop là. Allez, hop, on va faire ça tranquille. Allez, c'est parti. Hop là. Hop. Allez, c'est parti, on a de la semence à faire, tranquille. Donc là, c'est pareil, hein, alors je sais plus, c'est Iliona, machin, je ne sais plus pourquoi la map. Là aussi, hein, elle a été énormément remodifiée, la map. Donc, il y a du boulot, les poteaux. En tout cas, je pensais pas. Franchement, je pensais pas avoir autant de vues pour une reprise. Ça, je veux bien reconnaître. Franchement, les vues, les pouces, hein, il y a quelques pouces, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Allez, on y va. Hein? Ah ouais? À voir, on ne peut plus planter le merde. Attendez voir, on peut plus planter le machin maintenant. Est-ce que je me serais fait avoir? Ah ouais, on peut plus, on peut commettre que de l'herbe, de l'or. Bon, tant pis. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. C'est pas grave. On va aller faire du... On va aller faire du lisier. On va faire le champ à côté, là. On va faire celui-là. Bon, c'est fait à voir, hein. Bon, c'est fait à voir.
Alors, il y a un truc qui est vraiment chiant, hein, c'est que pour ceux qui bossent avec des fêtes, hein, on avait le 700, hein, le tout nouveau 700. On a eu quelques jours sur console et bah, tout simplement, il a disparu. Giant l'a enlevé, on ne sait pas pourquoi. Donc, en espérant qu'il revienne. Il y a des trucs bizarres quand même, je vais pas mentir, il y a quand même des trucs bizarres. Hein. Ils mettent des modes, ils les enlèvent, c'est quand même incroyable. Allez, on va faire du pulvé. On va déjà ramener les semis. Hop, impeccable. Donc là, la cuve elle est là. On va déjà ramener les camions. Ça devient une bonne chose. Allez, c'est parti. On va déjà ramener ça, ce sera déjà une bonne chose. Il a de la charge au cul, hein. Il a du mal. Il a du mal à partir. Bah, une fois qu'il sera parti, c'est une fois qu'il part, il part. Il a eu du mal. Bon, franchement, dites-moi dans les commentaires. Hein. Dites-moi dans les commentaires sur quelle map vous travaillez, ce que vous faites. Voilà, dites-moi un petit peu tout ça. Dites-moi un petit peu tout ça, ce que vous faites. Normalement, il doit y avoir un chemin quelque part. Hein. On va se mettre du côté, hein, tranquille. Hop. Hop, hop. On va prendre le deuxième semi. Et on va aller tout simplement. Alors c'est pareil, hein, celui-là, dans le DLC à Volvo, on n'a toujours pas les phares en haut qui marchent. Hein. Voilà, les phares en haut ne marchent toujours pas. C'est quand même incroyable quand même. Incroyable. Les modeurs Giant, ils sont pas capables de faire leur travail. Mais qu'ils arrêtent, hein, qu'ils aillent vendre du pain, c'est pas possible. À un moment donné, c'est bon. Quoi. Ça fait je sais pas combien de mois là que le DLC est sorti. Il y a toujours pas les phares de nuit. C'est quand même honteux. Quoi. C'est honteux de voir ça. C'est honteux. Alors il y en a qui m'ont dit hein, que c'était quand même dégueulasse hein, sur la vidéo que j'ai fait l'autre fois en parlant des carottes hein, tout simplement. C'était dégueulasse que Giant refuse de mettre les carottes, en tout cas pour l'instant sur les autres maps. Ah, c'est dégueulasse, hein, c'est sûr, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est des boches, hein, c'est des cheveux. Hein. Avec ces gens-là, mais c'est vrai que c'est quand même dégueulasse de. Hop là! C'est quand même dégueulasse de faire un truc pareil parce que. Ça serait bien d'avoir. Franchement, ça serait pas mal d'avoir.
pas envie que je pris ma chose dans la gueule. Ça serait pas mal quand même d'avoir. Alors, faut peut-être que je me trouve un tracker, ça serait bien. Ah, il y en a là. Non, mais ça, c'est les jumelés, donc pas la peine. On va faire comme ça, ce conduit. Tac, 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 tac. Alors, moi, j'ai mis le machin là hein, pour l'herbicide ou l'engrais. Mais moi, il sera décoratif. Je m'en servirai pas. Tout simplement, pourquoi ? Bah parce que le machin, moi, j'aime pas. Franchement, parce que le truc, il tourne en rond. Et moi, j'aurais préféré qu'il avance et qu'il avance droit. Voilà, qu'il avance voilà, tout droit comme ça. Parce qu'en rond, c'est moi, j'aime pas. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, en rond, je n'aime pas du tout. Alors, je cherche un tracteur, les gars. Okay, il y en a là. Peut-être pas prendre celui-là parce que celui-là est peut-être pas assez puissant. Voilà. Moi j'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout parce que le machin, à moins, naturellement, à moins de faire des champs en rond, hein. Bon, il y en a, hein, attention. Hein. Allez, c'est bon, j'ai écrasé les poules, j'ai écrasé la coque. Il y en a, hein, attention, hein, il y en a, hein. Mais bon, moi ça ne tente pas. Voilà, franchement, j'aurais préféré que le machin soit carré ou rectangulaire, hein, pour qu'on puisse vraiment faire que ça soit en aligné. Ça aurait été, moi j'aurais préféré. Elle est vide la tube. Ah ouais. Moi j'aurais vraiment préféré tout simplement. Mais bon. C'est comme ça, on n'y peut rien de toute façon, hein. C'est comme ça. Hein. Allez, on va remplir ça. Hop, tranquille, on va remplir. Donc moi, il sera décoratif. Voilà, décoratif, moi, je ne m'en servirai pas. Il y en a, hein, il y en a qui m'ont dit hein, que c'est dommage, hein, qu'il ne soit pas... c'est dommage qu'il soit rond. Parce que... Si t'as un grand champ en rond, en carré, tu peux pas faire complet. Il faut le faire en plusieurs fois. Et c'est le bordel parce que soit tu le mets au milieu, mais bon, t'as juste le milieu du champ qui sera mis, donc c'est pas idéal. Il faut redéplacer simplement le matériel. Donc voilà, donc c'est pas mon truc. Donc c'est pour ça que moi, il restera en décoratif sur toutes les maps, hein, sur toutes les maps que j'ai, il restera sur, en décoratif sur PC ou console, ça ne changera pas du tout. Une chose aussi qui est importante, il y a des personnes qui m'ont dit, c'est bizarre, t'as pas de BGA encore dans la ferme là. Non, j'ai pas de BGA à l'intérieur parce que j'attends la délibérance. C'est pour ça que pour l'instant je me sers du mode là pour prendre du lithier ou du digesta, plutôt du lithier. Et une fois qu'il y aura la délibérance, eh bien je pourrai installer le BGA hein, juste à côté. Parce que là, éventuellement je pourrais. Voilà, j'arrive pas à tirer, quoi. Éventuellement, je pourrais le mettre. Et bon, le problème, c'est que si je le mets maintenant, peut-être que la délibérance, après, je peux regarder sur PC, parce que sur PC, on l'a déjà. Mais les dimensions, en fait. Voilà, ce serait peut-être chiant, parce qu'en plus il faudra peut-être bouger un ou deux bâtiments. Donc ça va poser problème. Donc pour l'instant, what the fuck? Ouh, qu'est-ce que j'ai bu ce matin? J'ai pris du café. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident du tout. Alors on va faire comme ça. J'espère que je n'ai pas. Non, attendez voir, je regarde comme ça parce que. Non, ça va encore, ça va.
impeccable. Nickel. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Alors attendez voir, je regarde quelque chose. Est-ce que j'ai mis le champ en... Alors on est où là? On est là. Ah, ça va. Okay. On va s'en mettre là. Impeccable. En espérant que ça ne bouge pas pour les parterres en fait. Que je n'écrase pas les cultures. Autrement, il faudra que j'aille chercher des pneus plus étroits. Là, ça a l'air d'aller pour l'instant. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Impeccable. Voilà. Une grosse parcelle quand même. Enfin. Là, il y a une grosse parcelle. Je sais pas combien il fait, celle-là. Mais c'est de la grosse parcelle. Donc, comme ça, on a les deux camions ici, tranquille. Comme ça avec ça il sera vraiment bien fait le champ. Alors par endroit hein, par endroit il n'y a pas besoin de passer, mais bon voilà, on repasse vraiment partout. De toute façon là et maintenant il n'y a plus que ça hein, tout est semé, l'air, tout ça, tout est semé. Donc voilà, il ne reste plus que ça à entretenir les champs, préparer les champs pour... parce qu'il y a pas mal de champs encore à préparer, il y a de la modification à faire. Voilà, il y a encore... la décoration aussi à faire, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà, et en plus on arrive, hein, au mois de novembre, c'est bientôt l'hiver. Donc il y a de quoi faire, on va faire du bois aussi. On va faire du bois, hein. On mettra la scierie en marche pour qu'on puisse faire du bois aussi. Hop, impeccable. Donc là c'est pareil, hein. On a de la sucrière hein, à faire. Il y a de la sucrière à faire, donc il y a du boulot. Après la sucrière, j'en ai déjà. Hein, j'ai déjà pas mal de sucrière, pas mal de patates aussi. Donc il y a de quoi faire pour l'hiver, hein, pour les cochons. Il y a ça. Il y en a qui se disent, ouais, en hiver, si on n'a pas grand chose à faire, c'est chiant. Ben non, mais en hiver, il y a énormément de travail à faire. Hein. Il y a du bois à faire, il y a déneiger les routes, entretenir donc les champs, préparer les champs pour le printemps. Il y a aussi vendre vos récoltes, hein, toutes les récoltes hein, que vous avez stockées, blé, orge, avoine, tout le machin, les grains. Voilà, hein, à la coop pour récupérer de l'argent. Attention, hein, faut pas croire qu'en hiver on se fait chier. Hein. Faut pas croire qu'en hiver on s'emmerde. Il y a du boulot en hiver. Hein. Faut pas croire. Il y a du travail en hiver. Donc moi je me rends 3 jours. Hein. 3 jours c'est suffisamment, c'est bien. C'est très très bien. Donc on attend hein, la map hein, de David Oxygène hein, qui arrive dans un mois. Courte farm,
Donc là, on mettra du CAS international 1455. Il y a aussi, apparemment, il y a un pack international qui devrait sortir. Alors, je ne sais pas s'il va sortir sur console. Ça serait vraiment très très bien, mais il y a vraiment un gros pack de CAS hein, qui va sortir. Donc, on verra bien un petit peu, on verra bien tout ça. Voilà, on voit bien quand même, hein, sur le petit radar en bas, on voit bien que on passe vraiment bien, que ça soit bien propre, bien bleu. Donc ça, ça sera déjà une bonne chose. Là, il est 8h28. Hein. 8h28. Ah, c'est sûr, hein, il fait nuit très très tôt. Et il fait jour très très tard. Hein. De toute façon, ça s'embrouille encore. Hein, ça s'embrouille encore. Donc après, là, sur la partie en face, là, ah, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être un autre champ ou peut-être une deuxième ferme. Peut-être une deuxième ferme. Hein. De toute façon, une deuxième ferme, il y en a une qui sera faite. Hein. Il faudra que j'en fasse une. Avec, naturellement, ce sera une ferme décoratif. Mais après, s'il y en a qui veulent venir, hein, voilà. Vous pourrez récupérer la ferme. Naturellement, c'est toujours pareil. Hein. Faut pas foutre le bordel. Autrement, c'est dehors direct. Hein. Chez nous. En tout cas, j'ai été surpris, hein. J'ai vraiment été surpris hein, sur la vidéo que j'ai faite une fois chez l'entreprise Flash, du nombre hein, de vues. Je pensais pas autant de vues, autant de pouces. Hein. Il y a des pouces quand même, donc ça fait vraiment plaisir. On va passer par là. C'est pas grave, hein, j'écrase la CPR, mais c'est pas un problème, hein, j'en ai déjà de stock. J'en ai déjà de stock de la CPR. De toute façon, là, on va être vide. On va aller remplir tout ça. Allez, hop, les signes, ils sont signés à mort, ils sont... Voilà. Hop. Bon, je suis pas vraiment en face, mais bon, c'est pas trop grave. En fait, il y a une façon de les mettre correctement. Hein, mais bon, faut se mettre de l'autre côté, en fait. Mais bon, c'est pas trop grave. Il y en a qui se carrément à côté, qui ne plus pas le truc. Hein. Mais bon, on essaie de faire du réalisme un petit peu. Ça fait toujours plaisir. Il a du mal hein, le petit mine hein. Il a du mal le petit mine hein. Oh, je fais du drift. Oh, vous avez vu un peu comment il est parti en crabe.
Comment il est parti en crabe le petit mille. Et là il est bien parti hein. Il a drifté, je fais du drift avec du mille. Je viens de défoncer quelques moineaux là. On va reprendre tranquille là. Hop là, allez voir. C'est parti, on reprend. On reprend notre ligne tranquille. Bon voilà, puis bon, aussi, hein, aussi, en hiver, vous devez, hein, travailler vos champs comme ça, retirer les mauvaises herbes, mettre du lisier, voilà, il y a du boulot, il y a du boulot en hiver, faut pas croire, ah, l'hiver, on fait rien, non, du boulot, il y en a tout le temps. Tout le temps, hein, les agriculteurs, ils ont toujours du travail, tout le temps. Vous pouvez aussi remodifier votre ferme, voilà, il y a de quoi faire. Quoi. Ça ne s'arrête jamais, un agriculteur ne s'arrête jamais en fait. Ah si, on prend des vacances, hein, des vacances tranquilles. Mais il y a toujours du boulot. On est bientôt, on est en automne, hein. Tout est jaune, hein. Bah tout est jaune, tout est orange. Tout est orange. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut se mettre comme ça, hein, quand on voit vraiment ici hein, l'espèce de radar GPS. Comme ça au moins on est tranquille, on voit ça bien. Hop. Comme ça sera fait, tranquille. Donc il reste plus que la sucrière à faire. Hein. Sucrière et puis on sera bon. Hein. Et on sera pas mal. Hein. Venaki. Hop, tranquille. Voilà, il y a beaucoup de trucs à préparer quand même. Énormément de choses à préparer. Hop. On va reprendre ici. Faire la ligne là à côté. On attend les grillons, les sauterelles. On entend les piaf. Je sais pas si j'ai vraiment des grillons ou des trucs. Ah bah tiens, en parlant de grillons, il y en a qui ont essayé hein, les grenouilles. Hein. Et franchement, c'est vraiment bien. Hein. Les grenouilles, c'est vraiment stylé, c'est vraiment cool. Donc c'est vraiment super cool les grenouilles. Ça met une belle ambiance. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé hein, de mettre ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça à côté de. Attends, on va refaire une plainte directement. Ça bouge vite, hein, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de comment. De qui est de la flotte hein, vous pouvez mettre ça dans les champs hein. Ça dans les champs tranquille.
Et voilà. Bon, on n'est pas loin, on est pas mal là. Voilà, on est pas mal. Là, on est pas mal. On est pas mal, ça fait des beaux ensembles quand même. Hein. Aux couleurs faintes, hein. Aux couleurs faintes. On est pas mal, on est pas mal. C'était pas loin de la route, hein. C'était pas loin de la route. Mais sérieux, hein. Après, il a la tonne au cul, quand même. Hein. Alors, il y en a une comme ça, avec quatre essieux. Hein, malheureusement, il n'y a pas de gyrophare dessus. Alors, moi, j'aime bien les gyrophares. Hein, ça fait vraiment stylé, les gyros. C'est pour ça que j'essaie de prendre tout ce qui est avec un gyrophare. Ça fait vraiment un gyrophare, ça fait stylé. Ça fait cool. On va se mettre là et on va faire. On va faire le tour du champ comme ça. On va faire le tour du champ comme ça, tranquille. On va se mettre un petit peu en vue intérieure. Là, on monte dans les tours. Hein. Là, on monte dans les tours. C'est une belle parcelle. Hein. C'est une belle parcelle. Eh, c'est dommage, hein. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir ça sur le contrôle, sur les écrans. Alors, ça aurait été bien, hein, franchement. Au lieu d'avoir ça sur le côté, là, à gauche, qu'on voit ça sur les écrans, ça serait vraiment un petit peu comme en vrai, quoi, en fait. Hein. Comme en vrai, ça serait vraiment. Tip top caviar. Alors là, je crois que ça serait vraiment tip top caviar. Alors là, je crois que c'est bon. Hein. Ça serait vraiment stylé. Oh, attention! Ouh là 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 là. Eh ben, sacré coup là. Il y en a un qui s'est fait arrêter avec la Dominique. Il y en a un qui s'est fait arrêter. Alors je pense que le champ là, je vais l'agrandir. Je vais agrandir avec celui-ci. Je vais l'agrandir avec celui-là. Je vais l'agrandir le champ. On va l'agrandir le champ avec celui-là. Là, il y a aussi beaucoup de. Il y a de la sucrière hein, à ramasser aussi. C'est bon, j'ai pas tout mis dans. J'ai pas tout mis dans. Bon. J'ai pas tout mis dans les silos. Du stockage. J'ai pas tout mis dedans, donc il reste. Il reste de la sucrière à aller chercher en bordure de champ. J'ai une botte de foin, si je ne me trompe pas. Une botte d'herbe. Hein.
un ou deux, à les récupérer. Il y a un chantier de décoration de travaux publics qui va être construit aussi, en espérant que je puisse encore pouvoir faire au moins encore une coupe d'herbe, ce serait pas mal, avant la neige. Si j'arrive à faire encore une coupe d'herbe, ça serait pas mal. Alors ce qui est bien, c'est que sur farming, l'herbe, tu peux la couper quand il y a plus de neige, tu peux pas la couper. Mais tu peux la couper tout le temps. Même en hiver, tu peux couper la neige, normalement, plutôt. Normalement. Donc voilà, donc on va en rester là, les potos. J'espère que cette vidéo-là vous aura fait plaisir. J'attends autant de vues, hein, et puis de pouces en l'air. Ça fera vraiment plaisir. Et puis nous, on se retrouvera pour une autre vidéo. Alors l'autre vidéo, ça sera... on sera chez du Massey Ferguson. On sera chez du Massey Ferguson, les gars. Ah, il y a des filles aussi, hein, il y a des filles qui regardent, je sais. Donc on sera chez l'entreprise Massey Ferguson. Massey Ferguson chez Games and Farm, hein, la map du meilleur modeur David Oxygen. C'est quand même mieux quand le tracteur, quand la pub elle est vide. Hein. Parce que quand elle est pleine, je peux vous garantir que même le mille, le petit gros mille, il a du mal. Le petit gros mille, il a du mal. Tout à l'heure, ça a bien drifté quand même. Hein. Ouais, le champ là, alors naturellement, je vais le faire en accéléré, hein, le machin. Je vais directement semer dessus. Il y aura juste un petit décalage, mais c'est pas grave. On va compléter le champ là-bas avec celui-ci. Impeccable, nickel. Nickel, nickel, nickel. Alors, je sais pas s'il reste je sais pas s'il reste dedans. Ah bah c'est vide. C'est vide. Allez, on va aller remplir ceci. Et on en restera là, les poteaux. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura fait plaisir. Comme moi, ça m'a fait plaisir, hein, mais vous faire plaisir pour ceux qui suivent. C'est parti, on va ramener ça tranquille. Ah, puis il y a encore la décoration en fer. Pas mal de choses. Pas mal de choses à faire. Donc voilà les potos, donc sur ce, ben moi je vous laisse. Très bonne semaine à tous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut !